Hein ? Tu vas faire quoi ? La voiture ! J'adore la personnalité, les abonnés de Jules. Ouais, je trouve qu'il a de bons abonnés, un très bonnet. Vous avez compris, c'est pas grave. Pour regarder une autre vidéo, bisous. Migraine, tu vas te faire embarquer Maya. Parce que Maya, c'est la seule parmi tout l'avion qui a été désignée pour avoir un contrôle. Elle, je m'en méfie comme de la peste. Elle en sueur, je vois la goutte d'eau qui tombe sur le front. Passager foncé, ainsi que passager Kilian. Thousands of tears later. Super contrôle. L'avion. On a une vraie tablette. On a des iPads. On a des iPads, exactement. On est plutôt blanc, on va falloir bronzer là parce que c'est une catastrophe. Mais les fossiles, ils vont pas tenir longtemps, ils vont pas faire l'enfeu. On n'est pas prêts. Il y a un monsieur qui me regarde derrière, je suis hyper gênée. Ah, c'est déjà installé. T'es tranquille sur mon téléphone, si j'étais comme ça. Je me retourne, je vois sa grosse tête. Et Maya, mais tu repasses ça. Y'a rien qui va. One eternity later. On atterrit dans 3 minutes. Et franchement, on est très contents parce que les 12 heures, c'était insupportable. J'adore la DA. Très bleu. T'as 4G, allume ta 4G. Ça y est, j'ai la 4G. J'ai la 4G, ça fait 12 heures qu'on n'en peut plus. J'ai la 4G, bisous. Oh là là, j'adore, c'est soleil plein. 28 degrés, j'adore. C'est une galère, déjà la vue est trop belle. Et en fait, on est monté en haut, c'était le 3ème étage. Je savais pas qu'il y avait un ascenseur, j'ai soufflé. C'est trop beau, j'adore. Trop beau. J'adore. On est arrivé, on est direct reparti parce qu'on va retirer de l'argent. Parce que j'ai loué une petite voiture. Et la voiture elle arrive. C'est la première et dernière fois qu'on se fait conduire en Uber. La voiture, oh j'adore. Ouais, c'est pas, faut regarder qui vient. J'adore, c'est notre voiture, wesh. Oh j'adore. Décapotable. Regardez comment elle est trop belle. C'est la dernière BMW. La toute dernière 2020. Mais regardez, écoutez-moi ce bruit. Oh ma phobie. Ils nous regardent trop mal les mecs dans les magasins. Je m'en bats les couilles. J'adore. Elle est trop belle. Target lui doit acheter une petite caméra. Et on va faire les courses pour la maison. On va acheter plein de conneries, j'ai trop hâte. On est en train de faire les courses les gars, il y a tellement de trucs aux États-Unis, c'est grave. On s'est pris du cheddar pour faire des mac and cheese, des pizzas. On s'est pris aussi de la pâte à cookies. Et il faut qu'on achète des pâtes et tout, plein de trucs. Oh là j'adore. On va splitter par trois. Il y a tout le monde qui attend derrière. Je suis hyper gênée. Donc là on a fini, on va aller à Raf parce que j'ai envie d'acheter un énorme gâteau parce que je me fais la petite gâteau. Oh là là, je vais prendre le chocolate cake qui est juste là. Mais celui-là il a l'air bon aussi hein. Ça c'est un marbré. J'hésite de ouf. Regarde ce qu'elle nous fait Maya. Je l'aime trop. Elle est trop mignonne. J'ai acheté du cheddar. Oh là là. Il y a pas pire. Et on fait des pâtes, on fait des mac and cheese. Ah ouais, là je suis en train de faire des mac and cheese, macaroni. Là on a pris du cheddar et on a mis du lait. Et dès que les pâtes sont cuites, on va chauffer ça et on mettra ça à l'intérieur. Résultat des mac and cheese, regardez-moi ça. Oh là là. Goûte les mac and cheese pour voir si c'est bon ce que j'ai fait. Regarde le fromage. T'es sérieuse? Non, c'est bon ou pas? Honnêtement. Ça va. Ça va? C'est pas le meilleur truc que t'as mangé de ta vie. Prends mon goût, tu peux. Vas-y. C'est bon. C'est mangeable. Mac and cheese quoi. Tomorrow. Bon, coucou tout le monde. On est le jour 2. Voilà, il y a un petit sunshine. On adore. On est avec la petite Maya. On s'est préparé à côté. On s'est réveillé quand même hyper tôt. On s'est réveillé genre à 4h du matin. Très miracle morning. Là, il est 7h50. Exactement. Très miracle morning. Et donc là, je me suis lavé les cheveux parce qu'en fait, j'avais les cheveux dégueulasses à cause de l'avion. Alors, je m'étais lavé la veille. Mais bon, j'avais les cheveux hyper gras. Et du coup, je me suis lavé les cheveux avec mes petits shampoings que j'ai ramenés. Parce que je déteste ces shampoings. Je vais avoir les hôtels, dans les cadres comme ça. Ça va avoir les cheveux dégueulasses. J'ai ramené mes deux petits shampoings. C'est Airbus. Vous connaissez, je vous en parle tout le temps. Bref, voilà. Vous avez le shampoing normal. Et le conditionneur. Moi ce que je fais quand je suis dans la douche, en gros, déjà le shampoing c'est sur cheveux mouillés tout le temps et le conditionneur je me l'applique toujours sur les cheveux un peu essorés pour que ça pénètre bien dans le cheveu et que voilà, ce soit beaucoup plus doux. Déjà leurs produits ils sont vegan, ils sont pas testés sur les animaux, ce qui est trop bien. C'est pour tous les types de cheveux, donc c'est voilà, ça dépend de la nature, mais c'est vraiment pour tous les types de cheveux. En plus ça sent trop bon, avocado et coconut. Du coup voilà, j'ai ramené le petit combo avec moi, du coup que je vais remettre tout de suite de ce pas dans la douche.
Et ce que j'utilise aussi, c'est les vitamines pour les cheveux, parce que j'essaie de récupérer mes cheveux. Vous connaissez un peu ma galère avec les cheveux que j'ai depuis 2 ans maintenant. J'essaie de les récupérer, donc là j'ai récupéré de ouf en masse et j'ai récupéré en longueur, parce que voilà, j'avais les cheveux grave courts, je les avais perdus à cause de toutes les colorations et de mes lisseurs. Et du coup moi, mon but, c'est que mes cheveux arrivent là. Je veux pas les couper, je veux que ça pousse, Et du coup bah pour m'aider, je prends les petites vitamines pour les cheveux, Air Vitamine, toujours de Airbus. Donc j'ai commencé un peu. On est en cours et ça sent trop bon. C'est trop bon, c'est des petits bonbons comme ça genre. Et c'est vraiment trop bon, vraiment je kiffe. Et je prends ça tout le matin avec mon petit jus d'orange. Et je vous avais dit aussi que je testais en ce moment le mascara sérum. Et c'est un sérum en fait pour pousser les cils. Je vous avais dit en story que j'étais en train d'utiliser. Donc là, juste avant de partir à Los Angeles, je me suis fait des extensions. Donc pour l'instant j'arrête. Mais dès que je retire mes extensions, arrive à Paris. Parce que là c'est parce que j'arrête de mettre du mascara, j'ai même pas ramené le mascara avec moi. J'arrive à Paris, je me les relève et je continue ma cure. Et comme ça je vous tiens aux nouvelles de mes cils. Et franchement je les ai un peu récupérés, je suis trop. Donc là on est en train de se préparer. Moi j'ai mis un petit haut noir comme ça, mais je pense que je vais changer, je suis pas encore sûre. On va voir. Avec un petit jean délavé, très oversize. Et puis voilà, quand je vais mettre une paire de chaussures, voilà. D'abord je vais me sécher les cheveux parce que voilà, quand la crinière ça va 2 minutes, mais bon. Bon les amis, c'est parti, on est dans la voiture. On va se prendre un petit Starbucks. Je me suis changée, j'ai juste mis un petit top vert, voilà. Et je me suis mis faire un paupière vert, c'est inutile, mais voilà. On y va, c'est parti. Là, on a déposé la voiture au parking et on va à Rodeo Drive faire des petites boutiques et faire des petites photos. Très sympa. Bon les gars, là on était à Rodeo Drive, on a fait du petit shopping un peu. J'ai acheté un sac Prada trop beau, trop contente. Et puis là on va à Melrose et on va faire les boutiques à Melrose. Encore une fois j'ai pété mon crâne, je suis à Urban Outfitters. J'ai acheté trop de trucs, c'est trop beau en fait ce qu'il y a. Urban Outfitters en fait c'est une drogue, t'arrives, t'as tout. T'as que des petits trucs trop beaux genre. Je vous épargne le total. Et en plus je me suis acheté du coup une tenue à sortir mon sac Prada que j'ai acheté tout à l'heure. J'ai acheté un sac Prada rouge, le frippé. Et du coup je me suis acheté une tenue, genre une petite robe rouge. Avec un petit top rouge aussi pour mettre avec des jeans et tout genre. Je vais me faire ma foule tenue rouge. On était à Urs Café pour manger. C'est vrai, petite pizza et tout. Des mac and cheese, tout ça. Elle a trop bonne la pizza. Bon, les gars, on s'est un peu changé parce que voilà, on avait envie de se changer. Et là, on va à l'As de Grove, le centre commercial. Petite tenue, enfin, j'avais regardé le bas, j'ai juste mis un autre au blanc. Elle s'est mis ça. Et le petit Enzo, il s'est mis ça. Parce que je suis t'assois, mais on n'a pas le temps. Non, mais juste, je suis t'assois, mais il n'y a pas le temps. Allez, on y va. Oh, c'est trop beau. Très pique-nique. J'adore. Il y a plein de petites boutiques, exactement. On va aller à Brandy Melville, Top Shop. Et puis voilà quoi. J'adore. J'ai pris des beaux bas. Pourquoi les bulles elles sont noires? J'ai dit pourquoi elles sont noires? Ah non, 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 c'est du chewing gum ça. Des perles à la fraise. Il y en a, mais ils ont mis aussi des autres. Des tapioca, ça s'appelle comme ça. Exactement, des perles de tapioca. C'est un boba masqué. C'est pas un plaid. Bon, il y a un truc devant ma caméra. C'est quoi ce qu'il y a? Je pense que c'est ta main. Ah bah oui. Je comprenais pas. Je crois qu'il y avait un poil géant ou une galerie. Je comprenais pas. Se réveiller avec Maya. Il est quelle heure actuellement? Il est 7h30, on a dette. 7h30, on a dette ça aujourd'hui. Je me suis pris un petit Urs Café dans la chambre. Aujourd'hui, il faut qu'on range parce que j'ai honte de vous montrer. Mais voilà tous les vêtements qu'on a achetés, il y en a partout. Moi, il y a des babybelles dans la cuisine qui sont par terre. Ça me dégoûte. Bon, du coup, on va ranger tout ça et puis voilà quoi. On va chercher Jules aussi. Jules, il arrive. À 14h. Vas-y, fais-moi goûter. Allez. Vas-y, écoute. Les gars, on est prêts. Moi, j'ai mis mon petit sac Prada que j'ai acheté hier. Converse blanche, petite jean. Et comme il pleut aujourd'hui, il fait pas très beau. C'est la seule journée où il fait pas très beau. C'est un peu frais. Du coup, petit manteau que j'ai acheté chez Urban Outfitters hier. Et ça aussi, ça vient d'Urban Outfitters. Je l'ai acheté en orange, en rouge et en blanc que j'ai mis hier. J'adore, je trouve ça trop beau. On va aller au Starbucks. Ensuite, acheter des petits trucs à CVS. Après, on va chercher Jules, quoi. Quoi qu'il arrive, le petit Jules. Habillé comme ça. Je vais donner des chaussettes mon frère. Ils sont déjà tombés de mes pieds, j'ai même pas marché. Ça dégaine. Quoi ma dégaine? T'es sérieuse là? Ouais, je suis trop la max toi par contre. Ah! Allez, Maya, tu jettes ton jus? Non. Ma mère, tu vas jeter ton jus. Eh ben non. Ma mère, tu vas jeter ton jus. Jette pas mon jus alors tu vas faire quoi? Vas-y, tu vas faire quoi? Je l'ai dit, ma mère, je jette pas mon jus. Maya, c'est ta dégaine. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, j'étais sur le jus, je te dis, y'a quoi? Vas-y, dis-moi, y'a quoi? Je me fous de ta gueule, y'a rien. C'est très bien. Vas-y, Maya, je vais le foutre. Tu sais quoi, je vais le foutre sur ton lit. Non, sur ton côté.
a pris notre Starbucks. On est très content. Oui. Et on comment ça le chien a coulé? Ah merde. J'ai vraiment pas mangé. Ah merde. Et du coup, on va à Melrose. On va prendre des petits vélos. Comme ça, on va se balader, faire les boutiques. En plus, il fait beau. Enfin, il fait beau. Allez hop. Et faut qu'on aille chercher Jules, les gars. Jules, il arrive. J'adore la personnalité, les abonnés de Jules. Ouais, je trouve qu'il a de bons abonnés, un très bonnet. Jules, on sera en retard, hein. Désolé, mais on a pris notre meilleur chèque. On avait trop faim. Oh là là, c'est trop bon. En plus, il fait soleil et tout. On est trop bien. Jaïr, Jules. Non, mais il est arrivé sans mamie. Il est arrivé avec un sac banane, wesh. Il est beau ton téléphone. Oh, j'adore, ça se clave. Allez, tu montes par-dessus. Il a pris que ça. Non, mais j'ai rien pris. Il a rien pris, il a pris un sac banane. Ce soir, les pyjamas. On est rentré, on a fait les boutiques. Et là, on se pose, on mange. On regarde les Marseillais. Lui, il s'est pris son Earth Café, encore une fois, avec son petit. Voilà, j'ai pris sushi. Avec son petit truc à la mangue. Et du coup, après, je vais me coucher parce que je suis fatiguée. Voilà. Tomorrow. Ok, les gars, on est prêts. Et aujourd'hui, on va aller faire un peu de shopping. On avait acheté plein de trucs avec Maya. C'est trop bien. Et encore là, du shopping? Ouais. Et là, on en a besoin. Toi, on en a besoin, il est venu avec quoi une valise, il est venu avec rien, il est venu avec un t-shirt et une paire de baskets. Et on va se prendre un petit Starbucks aussi avant parce qu'on a soif, c'est notre petit réflexe du matin. Encore des mac and cheese, ça s'arrête jamais. Tu vas avoir trois jours là quand même. Ah oui, ça fait 3 jours. Ah, et après, des ouais, bah... et après, tu te plains d'avoir mal au ventre, c'est grave quand même. Ah, c'est quoi, je mange ici. Le retard, j'ai hier soir. Oui, j'ai hier soir aussi, toi. Hi. Thank you so much. Oh, j'adore. On va à Ulta, on va faire un peu de shopping. Il y a tous les produits de Kylie, Kylie Skin, Kylie Beauty, tout ça. Du coup, oh, il y a la palette Morph. Oh, je la veux. Je prends la palette Morph. Oh, je kiffe. C'est tout Kylie. Il y en a trois qui se mettent en duel. Tu veux la Morph? Tu veux la Morph? La Morph? Comment tu dis? C'est la marque Morphe. Ah, Morphe? Morphe. Morphée, oui. Ah oui, voilà, c'est encore pire, toi. On est en pleine session de wheels. Trop bien, comme c'est soleil, Maya. Regardez, les gars, c'était notre maison avant de partir à Coachella. Je sais pas si vous vous souvenez dans le vlog. Ah, c'est trop bien. Par contre, on se les balle un peu, il fait froid. Ouais, ouais. Faut rentrer. Y'a Fabrice. Les anges. Y'a Fabrice. On va jouer ce soir. Les anges, préparez-vous votre lit. Les gars. The next day. Coucou tout le monde. Encore un autre jour aujourd'hui. Oh, il a mis mon t-shirt, Jules. Du coup, aujourd'hui, on va à Universal Studios. Wouhou. On va faire les petites attractions, etc. Et voilà quoi. Très chippy. Très chippy. Les deux là, des chippy. Bon, vas-y. Allez, du coup, voilà, on va à Universal et on va s'amuser quoi. On s'est encore pris un Earth Café. Là, on s'arrête pas. J'ai pris des mac and cheese pour une fois. Des petites fraises, trop avec des petites fraises et des petites bananes. Non, je prends que des pizzas et là, des mac and cheese. Waouh, tu te régales ma fille. Alors. J'aime trop tes abonnés, ta personnalité. On est dans le monde d'Harry Potter. J'adore. Bon, j'ai déjà tout fait, mais bon, je fais comme si je découvrais alors que pas du tout, je connais déjà tout. Très pays des merveilles. Très très Potter, très baguette. Très les gardiens ou les vieux, ça. C'est super glauque. J'adore. La DA, franchement, la France est super contente. La DA est super jolie. Franchement, on pourrait faire des très belles vidéos ici. Il y a le chapeau qui part. Resto, enfin. C'est pas le ouais, carrément cette porte là, j'en peux plus. J'ai pas de pâte, j'ai pas. J'espère que je les ai parce que si je les ai pas, Enzo, parce que si on l'entend comme ça, écoute-moi bien. Si on l'entend dehors, tu payes l'hôtel ce soir. Seconds later. Je les ai. Très pâtes. Lui, il a pris les pâtes à la Justin Bieber. En gros, il y a 4 pâtes chérie dedans. En gros, je vous explique 5 secondes. En gros, Justin Bieber, c'est son resto préféré. Et en gros, le chef lui a proposé d'avoir des pâtes à son blase. Genre, c'est lui qui les appelle pas à son blase. C'est genre lui. Ils appellent les pâtes chérini à la Justin Bieber. C'est teubé. Ils veulent faire un jeu. C'est donner les 4 cartes.
les cartes bleues au serveur. Et le serveur, en fait, choisit la carte avec laquelle on va payer. Donc en fait, il y a une carte et ils veulent jouer à ça. Voilà. Et l'addition est de 111 euros. J'ai les 4 cartes juste là. On attend le serveur, il va choisir. On va pas les codes. Mais non, pas les codes, c'est caché. Let me see, I'm make sure the this pay. Non, mais c'est moi. Yes, it's me, non. Merci Danae. Merci Danae. On refait ce jeu demain à Nobu. Oh là là, chez Nobu, ça va piquer. Non, je pense qu'on arrête là. Ouais, mais elle est disqualifiée, hein, c'est entre nous trois du coup. The following day. On est à Santa Monica. C'est trop beau. En plus, on a petit coup de soleil. Regardez comment il était beau, la plage et tout. J'adore. Ah, j'adore, ça me rappelle grave mon premier vlog que j'avais fait à Los Angeles. J'avais filmé exactement le même plan, comme ça, avec le coucher de soleil, les jeux et tout. C'est si beau! J'adore. We hope you enjoyed this brief construction montage. Jour aujourd'hui, les petites choupettes. Et je suis un peu dégoûtée. On part demain matin. Faut qu'on range tout parce que je vous épargne le bordel qu'il y a. Bref, aujourd'hui, enfin oui, aujourd'hui, non, plutôt hier, on est passé dans une boutique de jeans trop fraîche qui s'appelle Revis Jeans. Et regardez comment c'est trop beau leur jean. Genre c'est des jeans comme ça, avec derrière, il n'y a pas de poche, il y a juste une grande étoile. Je trouve ça trop beau, pas d'éléphant en bas. Et j'ai pris celui-ci. Regardez ce que j'ai pris. Alors, regardez tout ce que j'ai acheté, c'est grave. J'ai pris exactement le même avec l'étoile en rouge. J'ai adoré en rouge, trop beau. Exactement le même avec l'étoile de la même couleur que le jean. Là, c'en est un autre avec juste deux petites étoiles sur les fesses. Encore une fois, sans poche à l'arrière. Et sans poche, je trouve que ça fait un plus joli cul qu'avec des poches sur un jean. Puisqu'en fait, j'aime pas les poches en bas d'un jean. Enfin, derrière d'un jean, sur le cul. Ça aplatit le cul, je déteste. Alors que là, ça aplatit pas trop le cul, ça va. Donc la petite étoile. Et le même en blanc, mais celui-ci, il est pas flair. Flair, ça veut dire que c'est comme ça en bas, genre. Et le blanc, il est pas flair, il est droit, genre il s'arrête à ce niveau-là. Enfin, je trouve ça trop beau. Vraiment, la petite étoile comme ça, en gros, j'adore. Et j'ai mis avec un petit haut IMGA ce matin, voilà, avec mon petit sac Prada comme d'hab. Et puis voilà quoi, dernière journée. On va aller à Venice Beach. Et puis voilà quoi. Regardez le nombre des produits qu'on a dans la douche. Je me suis encore relavé les cheveux là avec mes deux produits Airbus. Voilà, regardez l'état de la salle de bain. Je me suis relavé les cheveux ce matin parce qu'ils étaient pas très propres. J'avais fait une queue de cheval hier, du coup, bah voilà. Je me les suis relavés ce matin. Ils sont beaux, ils sont doux, ils sont brillants. C'est ce qu'on aime. On est dans la voiture. On va remanger à El Pasillo. C'était trop bon. On va essayer parce que sinon, il n'y a pas de place. Ouais. C'était trop bon, c'était le meilleur resto. C'est la dernière journée. On s'envole demain pour Paris. La pluie. Thank you. No, thank you. Oh, j'adore. Très vélo, très Venice Beach. On va voir les skaters. Dommage qu'il fasse pas beau. Ah, il s'est gamelé. Ah, lui aussi s'est gamelé. Allez. C'est Kenzo, on s'est garé vite fait. On va faire notre photo devant le mur rose. Par contre, ce qui est horrible, c'est que tout le monde prend des photos devant, mais personne rentre à l'intérieur de la boutique. C'est qu'il y a la queue. Ah, viens, il y a personne, viens vite. Vite, vite, vite. Allez, hop, ça. Bisous, belle rose, à jamais. Léa, elle demande à ranger la voiture. Je suis trop triste. On est super triste. Elle était trop bien, ma petite voiture. Tu retrouves ta petite mini. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'allais retrouver ma petite mini Cooper Works à Paris. Moi, j'ai fait ma valise. Regardez le côté de Maya, c'est bordélique, c'est dégueulasse. Ta valise, en fait, non. Ta valise. Et en plus, le pire, c'est que j'ai rangé le côté de Maya. J'ai mis tous ses vêtements qu'elle faisait partage. Je l'ai tout mis sur son lit. Bah, moi, j'ai rangé tout le truc à Maya. Si tu vois Maya ce vlog, et bah voilà. J'ai rangé toute sa salle de bain. J'ai mis tous ses produits ici. J'ai tout nettoyé. Par terre, c'est tout propre. Et là, c'est mes vêtements pour demain. L'avion. Là, c'est ma valise. Alors, la Vega, ma valise, j'ai un gros problème, c'est qu'elle se ferme plus. Du coup, je suis obligée de prendre un sac à côté, un énorme sac de vêtements, tellement j'ai plus de place et tellement j'ai la flemme d'aller acheter une valise aussi, surtout. Du coup, je prends un sac à côté rempli de vêtements, plus ma valise que j'arrive même pas à fermer et encore ma trousse de toilette à mettre. Enfin, bref, c'est une grosse galère. Et en plus, les vêtements d'aujourd'hui que je porte, que je dois mettre dans ma valise, c'est trop galère. Mais bon, il n'y a plus rien à faire. Il manque plus qu'à se mettre dans le lit, manger, dormir et attendre l'avion de demain matin qui est à 11h. Et puis voilà quoi. Bah, du coup, ce vlog est un peu terminé parce que voilà quoi. Il y a rien d'autre à dire de plus. Vous n'allez pas nous voir dans l'avion demain, quoi. C'est un peu du chill. C'est un vlog pas très coordonné. C'est-à-dire que je filmais des moments, des fois je filmais pas, des fois je filmais, des fois je filmais pas. Non, il y a deux jours où j'ai pas filmé parce qu'on avait rien fait de spécial. Et après, il y a un jour où j'ai filmé que le midi, j'ai filmé que l'après, après un moment où j'ai filmé que le soir. Bref, c'est tout mélangé. Je suis hyper désolée. Pendant 2 heures. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Vous voyez les moments intéressants. C'est ça. Exactement. Si vous avez apprécié le vlog, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un like. Ouais, exactement. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. On vous oblige à rien, mais c'est vrai que ça fait plaisir. Exactement. Bah, du coup, on finit ce vlog maintenant. Et puis, si vous avez rien compris au vlog, tant pis, c'est pas mon problème.
Mais voilà. C'est le cadet de mes soucis. Voilà, c'est le cadet de mes soucis. Vous avez compris, c'est pas grave. Pour regarder une autre vidéo. Bisous. Non, je rigole. Bon, bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Pour de nouvelles aventures. Bisous. Ting 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 ting